Bonjour et bienvenue sur Vex Forum d'État TV. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les règles du jeu officiel Vex Robotics pour la saison 2012-2013, le Sac Attaque. Cent de sacs carrés en tissu de 14 cm de côté et remplis de billes en plastique constituent les éléments de jeu du Sac Attaque. 98 sacs verts et 4 sacs bonus de couleur jaune. Le terrain de jeu est un carré de 3,65 mètres de côté, recouvert de mousse. Les deux équipes participantes sont situées face à face, de part et d'autre du terrain. L'aire de jeu est divisée en deux camps, par une gouttière élevée à 38 cm de hauteur. Sur les floor goals, un sac rapporte 1 point et un sac bonus rapporte 6 points. Sur les through goals, un sac rapporte 5 points et un sac bonus rapporte 10 points. Sur les high goals, situés à 76 cm du sol, un sac rapporte 10 points et un sac bonus rapporte 15 points. L'objectif du jeu est de marquer le plus de points possible en plaçant les sacs dans les buts. Les robots commencent la partie sur les floor goals. À la fin du match, l'équipe dont le plus de robots se sont replacés sur un floor goal de leur couleur obtient 10 points supplémentaires. L'équipe qui marque le plus de points durant la période d'autonomie rapporte 10 points bonus. Attention, la période d'autonomie n'est pas présente dans toutes les compétitions. Au début du match, chaque robot peut être préalablement chargé d'un sac. Chaque équipe dispose de 4 sacs placés hors du terrain qu'il peut mettre en jeu en les posant sur le robot durant le match. Si un sac sort du terrain, il sera automatiquement remis en jeu par un arbitre. Il est bien entendu interdit d'endommager le terrain ainsi que tout le matériel mis à disposition. Bonne chance !